Voilà, nous revenons au studio théâtre. Bien sûr, on est au studio théâtre, on vous l'a dit. Il est immense, il est bien achalandé en meubles, hein, qui fait qu'on fait des pièces de théâtre radiophonique ici. Mais c'est aussi toujours un plaisir d'être dans un studio de la radio. Minuit 6, c'est Franchise de Nuit, deuxième heure, 021 48 15 15. Page Facebook, jamel.benamara, tout simplement, bien sûr, facebook.fr. Anissa, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonsoir, oui, bonsoir, madame. Écoutez, moi, j'aimerais répondre au monsieur qui vient d'intervenir là. Oh, en disant. Je suis un peu gêné, mais on peut y aller. On peut y aller. Non, moi, je vais y aller franchement, d'ailleurs. Au lieu de parler de souplesse. Attendez. Juste pour rappeler quelque chose avec votre permission. N'a pas pour habitude de répondre. On a pour habitude de proposer un sujet et ça, c'est pas une réponse directe, quoi, personnelle. C'est juste. Voilà. Je pense que. Est-ce qu'il fait semblant d'avoir rien compris? Est-ce qu'il porte des œillères? Surtout que c'est une personne qui travaille apparemment dans une institution. Oui, oui, donc, allez-y, oui. Il doit être au courant de tous les problèmes qui se passent. Au lieu de parler de souplesse, on devrait parler de détresse de ces jeunes-là. D'abord, qui n'ont aucune situation. C'est des jeunes qui sont complètement paumés parce que l'école n'a pas joué son rôle. Donc, il y a un problème d'éducation. Il y a un problème de culture, il y a un problème d'identité. Enfin, c'est un cocktail de problèmes tels que, de toute façon, on ne peut pas parler de tout. Moi, ce qui me choque, c'est qu'il parle de souplesse. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'on descende et qu'on leur tire dessus dans la rue, c'est ça? Qu'on les liquide physiquement? Non, on n'en est pas là. Non, on va pas dévier le débat. On va pas dévier le débat. Je le dévie pas du tout. Moi, Non. Je trouve. Attendez, on va pas dévier le débat. C'est-à-dire la manière dont a. Excusez-moi. Hein, la manière dont a présenté le sujet le monsieur. Si l'on continue dans sa lancée, ça va être un débat stérile. C'est-à-dire, on va tomber dans l'opposition. Non, je ne tombe pas du tout. Non, je suis pas extrémiste. Hein, Non, c'est pas ça. Je ne vais pas. Est-ce que je peux finir mon idée? Oui. Voilà. Donc, moi, je préfère peut-être qu'on dise qu'en fait, on ne peut pas juger un peuple comme ça si au préalable, absolument, on n'a pas essayé de comprendre le pourquoi et comment de cette situation. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un malaise. Il y a un malaise. Voilà. Je préfère qu'on parle de ces choses que d'aller vers. Bon, ce malaise, on sait d'où il vient, de toute façon. Hein, on ne va pas se cacher la vérité plus longtemps que ça. Appelons un chat, hein, de toute façon. Et pour ce qui reste. Hein, parce que des jeunes qui n'ont aucune vie sociale, vous voyez, c'est-à-dire, il n'y a rien. En fait, c'est peut-être pour attirer l'attention qu'ils font ça aussi, non? On ne s'occupe pas d'eux. Ils ont été complètement marginalisés. Ils sont à la marge de la société. Mmh. Vous n'êtes pas d'accord? Non, c'est pas que je sois ou je ne sois pas d'accord, mais je vous écoute, c'est-à-dire que au moment où vous me permettez d'intervenir, peut-être on va peut-être rebondir. L'État, c'est son rôle s'occuper de ces jeunes. Mais pas par la brutalité. Il ne faut pas qu'ils se comportent comme eux. Oui, mais on n'arrive pas à la brutalité. Moi, j'aurais aimé qu'on n'aille pas vers ce discours. Oui, justement. Attendez, ça tout le monde le sait. Moi, j'aurais aimé qu'on aille vers un débat structurant, c'est-à-dire qui nous permette de comprendre qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de condamner un peuple comme ça en disant qu'il est indiscret. Qu'on aille vers un débat structurant, c'est-à-dire qui nous permette de comprendre qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de condamner un peuple comme ça en disant qu'il est indiscipliné, qu'il absolument est ceci ou cela. Parce qu'il faut s'arrêter lorsqu'on arrive à ces prises de position qui sont décevantes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas essayé de comprendre en amont ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui on vive des situations pareilles. J'avais dit à ce monsieur qu'effectivement, il y a une très mauvaise écoute, il y a une forme de marginalisation, il y a une frustration qui s'est installée. Et aujourd'hui, il n'y a pas de peuple indiscipliné, il n'y a que des peuples révoltés. Révoltés, voilà. Le mot est plus adapté. Oui, je voulais vous le glisser, mais j'étais gêné. Alors, ce qu'il y a, c'est que maintenant, le débat doit porter sur la manière de corriger.
Si vous voulez, quand on parle de réforme politique, lorsqu'on parle d'échéances qui sont d'une importance capitale, lorsqu'on parle de pays qui nous éthique nationale, qu'elle soit économique, politique, culturelle, aujourd'hui, ils sont entrés de plein pied dans ce que nous avons vécu il y a une vingtaine d'années. Voilà, Bon, ouais. on ne leur souhaite pas finalement de connaître ce que nous avons connu parce que Bien sûr. on s'est retrouvé quand même tout seul. Mais je pense que à partir de ce que nous gardons de ces moments difficiles qu'il faut positiver parce que cela a été une très bonne leçon d'histoire, d'éviter de refaire la même erreur. Et j'ai beaucoup apprécié l'intervention d'un politicien algérien dont je tairai le nom, qui avait dit qu'on a tenté d'être dans l'opposition, même violente pendant un moment, et on n'a pas réussi, alors qu'aujourd'hui, la meilleure des oppositions, c'est celle qui consiste de s'accaparer de l'intelligence. Vous voyez. Donc, si vous voulez, c'est d'essayer de comprendre aujourd'hui pourquoi on en est là, de ne pas condamner un peuple. Moi, je vous dis encore une fois, le peuple se révolte. Et c'est dans sa révolte. Pourquoi il se révolte, le peuple, voilà. de toute façon. Voilà. Quand vous avez une classe moyenne qui a disparu, voilà. de toute façon. Voilà. Quand vous avez une classe moyenne qui a disparu. Hein, oui. Vous avez une classe moyenne qui a disparu. Oui, oui. Elle a été tirée vers le bas, finalement. Absolument. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde vous dit que les pauvres deviennent plus pauvres et les riches deviennent plus riches. Non, mais dans un pays où il n'y a plus de classe moyenne, c'est qu'il y a un très, très gros problème. C'est ça qui. En fait, la classe moyenne dans une société est très importante. Très, très important. Non, mais c'est elle qui a le. Comment Absolument. On appelle. C'est la cheville ouvrière d'un pays, voilà. tant au point de vue économique, politique. Économiquement déjà parlant. Économiquement, c'est elle qui relance, c'est elle qui Absolument. Consomme, c'est elle voilà, qui permet. Voilà, c'est ce que voilà. je voulais dire. Non, mais c'est juste. C'est juste, mais là, vous enfoncez encore un petit peu le clou parce que, justement, ça permet, lorsqu'on pose cette problématique, ça nous permet de revisiter un peu toutes les défaillances, tous les déficits structurels de la société algérienne. En commençant par exemple la classe moyenne qui est une sorte de filtre de conscience populaire qui est un peu le fer de lance. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en panne d'idées. Pourquoi? Parce que la classe moyenne a disparu. Absolument. Et, oui, on a, si vous voulez, augmenté le nombre de, pas de pauvres, mais le nombre de nécessiteux au point où on oublie de réfléchir et on s'occupe Exactement. Plus du tube Absolument. Digestif. Alors, c'est, je pense hein, que lorsqu'on a la possibilité d'ouvrir le débat, c'est d'aller vers ces choses-là et les expliquer. Voilà. Parce que, au lieu de rentrer comme ça de front et de répondre avec, même verbalement, mais avec violence, c'est essayer de les expliquer ouais, ces choses non, parce qu'elles sont porteuses. J'ai une relation un peu excessive, c'est vrai, mais une réaction. Oui, on l'a parce senti épidermique. Franchement, je trouve épidermique. Ça scandaleux, absolument. Non, mais. C'est-à-dire que des propos qui. Les propos. Absolument. Non, mais. C'est-à-dire que des propos qui. Les propos sont impardonnables. Mais d'accord, mais quand vous avez cette capacité de raisonner, soyez pédagogue. C'est-à-dire oui, que. Oui. Relancez. Essayez de partager vos idées, essayez de partager ce côté pédagogique de la chose pour que demain vous ayez une meilleure approche. Oui, voilà, oui. voilà un deuxième point duquel il faudrait parler, mais sans arrêt. Tout à fait. Sans arrêt, c'est la faillite de l'école algérienne. Oui, je vous dis encore une fois, on est dans les réformes. C'est le moment actuel, le moment j'ai actuel. J'ai des enfants, excusez-moi, je vais vous couper là. Oui. Moi, j'ai des enfants qui sont scolarisés. Hein? Je vois, hein. Écoutez, bon, je vais vous dire franchement, ils sont dans le privé. Mais ça n'arrange pas les choses, hein, faut pas croire. Parce qu'après D'accord. l'école, il y a une école à la maison qui commence. Donc, l'école algérienne est un très, très, très gros problème. Là, c'est un autre débat. Je vous dis encore une fois, on en a discuté à plusieurs reprises, tout le monde est d'accord. Il faut le faire sans arrêt. Sans arrêt, oui, sans arrêt. C'est ça, il faut être, je veux dire, il faut rabâcher ça, excusez-moi le terme, à tout moment, la dame est partie. Anissa, si vous êtes à l'écoute, si vous voulez rappeler, faites-le. Je pense que ça nous permettra, vous et moi, de faire avancer un peu ce que nous jugeons utile de dire à l'antenne et de permettre à nos amis qui nous écoutent de rebondir, chacun avec son avis. Il est minuit 15 et c'est Franchise de nuit. Voilà, il est minuit 16. Anissa, si vous êtes à l'écoute, il faut rappeler, ne serait-ce que pour quelques secondes, pour montrer qu'il n'y a pas de censure et qu'on ne laisserait pas planer le doute alors qu'on est en train de combattre le doute. Voilà. Il faut nous rappeler dans un moment, si vous le pouvez, ça nous fera plaisir. Younes, Massa al-Khair. Massa al-Khair. Ahlan. Salam alaikum.
وعليكم السلام ورحمة الله. على ما سي جبت جمال، وعلى ما قلت. نعم سي جمال. نعم نعم الحمد لله يا رب. وي pour vous avoir à l'antenne. Parce que je suis un fidèle, je suis un fidèle, mais je suis fidèle à Drakat les années 70 à Oktoboumdin. Allô? Oui, oui, on est là, oui. Si j'aime. Anam. Je suis, bon, ma première spécialité, c'est que je suis dans l'organisation scientifique du travail. J'ai venu à Cambridge, où j'ai fait le. Enfin, c'est pas la peine de vous raconter ma vie, ce que j'ai vu. Je suis un chercheur, je suis spécialiste, un ex-directeur, un PDG. J'ai fait les recherches. Et maintenant, ça. Et vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Non, je cherche à vous. C'est-à-dire. La musique. Non, je cherche à vous. C'est-à-dire. La musique. Il y en a tellement de sujets dans ma tête. Non, mais on cherche quoi? Vous cherchez quoi? On va essayer de délaguer tout ça. Alors, vous cherchez quoi? Vous êtes chercheur. Voilà, je fais la recherche. Je fais la recherche. C'est-à-dire, je cherche Dorka Haka. Qu'est-ce que je cherche? Vous voulez savoir qu'est-ce que j'ai fait la recherche? Qu'est-ce que vous êtes chercheur, mais en quoi? Qu'est-ce que vous avez, c'est-à-dire, vous êtes à la recherche de quoi depuis? C'est-à-dire, non, on s'inquiète si vous êtes chercheur, est-ce que vous avez trouvé ce que vous cherchez? C'est ça. Nous rassurer que de ce côté-là, c'est bon, et puis, bon, on pourra aller vers autre chose. Bon, allez-y. Ce que je cherche, mon fils. Ce que je cherche, mon fils. Oui, papa. On a fait la recherche fait Boumdine au bout de l'éca. La recherche de quoi? Mais expliquez-moi, vous cherchez quoi? C'est vous êtes dans un institut de recherche en économie appliquée. Vous êtes où? Vous êtes, je veux dire, c'est quoi? Faut qu'on explique ce que vous cherchiez depuis le temps. Je vous prends pas tout votre temps. C'est-à-dire, pour vous donner en condensé, le taxer. La recherche que je suis en train de faire, c'est min le gars, ou min déjà porte un peu plus, un plus à la chose, je fais la recherche. D'accord. Maintenant, actuellement, j'ai fait tout. C'est min le gars, ou min déjà porte un peu plus, un plus à la chose, je fais la recherche. D'accord. Maintenant, actuellement, j'ai fait toutes les recherches sur la politique, le volontariat, on est en 2012. Donc, lorsque j'ai pris ma je suis à la recherche, je voyage beaucoup. Dans le cas, ça fait 6 ans que je suis à la Tafsir. J'ai fait les ulum, Taylor et Fayol, donc ça fait la 6e année que j'essaye de placer et de chercher, de trouver l'origine, le même matin, la technologie, la télévision, كيفاش نموتوا نضحكوا؟ لا مازال نموت مازالت البركه. لا انا بني درتكم درك انتوما. علاش؟ احنا عقبنا. شحال في عمرك سي يونس؟ راني في ما عنديش عندي 60 طون. Et deux jours. Mabrouk, Sidi. Bon anniversaire. كله عام وانتم بخير سيدي. 62. وجميع من مثلكم وجميع الأمة الإسلامية إن شاء الله وجميع من يريد من يحب الناس قبل أن يحب نفسه. أيوة فوالا. Alors, ce,
Donc après la recherche, vous venez de fêter votre anniversaire, 60 ans et 2 jours, et vous savez que c'est à partir de cet âge-là. Donc après la recherche, vous venez de fêter votre anniversaire, 60 ans et 2 jours, et vous savez que c'est à partir de cet âge-là. Mais c'est, vous savez, c'est à partir de 60 ans que commence véritablement la vie. Là, Baraklav, ça va, ça va, top niveau, ça a déjà dit, mais Baraklav, ça a on m'a drague, c'est top mental. niveau. Là, parce que كي كان عندك 20 30 40 كنت تخدم 50 كنت تخدم كنت تحرث كنت تجري كنت تسهر كنت تزقي كنت تداوس Baraklav, كنت ما حسيتش Baraklav. للدنيا. Donc 60 ans et 2 jours, ça fait 2 jours que vous avez commencé, que vous venez de renaître. قول لي برك واش في خطرك يعني واش رايح دير درك من الدرك والله حتى ل 100 سنة. ne prenez pas ça pour comme une fleur. Hein. Les professionnels, في لندن, في نيويورك, في هذيك, في هذيك. Ça, vous êtes le seul qui a senti. Je vous tutoie, اسمح لي. تفضل خير 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 لينا احنا. Les فاق باللي à 60 ans ont renié. On renaît à 60 ans, oui. Ah oui, قال ont لي واحد قال renié. لي شوف Ah, قال لي moi, je suis sur le terrain, en plein ballon à la Renaissance. Barakallahu fik. Wallah, yzidk ilm. Inch'Allah, ya Rabbi. Amin. Yatik Saha, c'est Younes. Merci beaucoup. Et encore une fois, bon anniversaire. Et je vous souhaite encore plein, plein d'années de bonheur, de joie. Et surtout de profiter de la vie, particulièrement ou par rapport, si vous voulez, à ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plaisir quand même. Minuit 24, c'est Franchise de Nuit, deuxième heure, 021 48 15 15. Minuit 27, c'est Franchise de Nuit, deuxième heure, 021 48 15 15. Juste une précision pour nos amis auditeurs qui sont sur Facebook. Oui, je vous réponds et je suis à l'antenne. Donc, n'ayez aucune crainte, et aucune doublure n'est permise sur la chaîne 3. Anissa, vous êtes là. Oui. Vous revenez, merci d'être revenu d'abord. Je rassure les auditeurs, je rassure tout le monde. Toutes les personnes qui sont à l'écoute, il n'y a pas eu de censure. Oui. Nous avons tout simplement été coupés. Coupé, voilà. Merci pour la Voilà. précision. Oui. J'adore. Alors, on en était où là pour quelques instants encore? On Oui. parlait de la classe moyenne et que sa La destruction, disparition, ou sa mahouma disparition. à la classe moyenne. Alors, est-ce que vous pensez que rien n'est perdu? Que ça peut reprendre, je veux dire que la classe moyenne peut reprendre sa place. Est-ce qu'on peut la fabriquer maintenant? Bah, écoutez, ça va être dur, hein. Ça va Ça être va être dur. dur. Ça va Ah, être ça va être dur. dur. Alors, Bah, écoutez, ça va être dur, hein. ça va Ça être va être dur. dur. Ça va Ah, être ça va dur. être dur. Alors, Faut ça pas va être dur pleurer. pourquoi? Il faut arrêter de pleurer. Parce que c'est trop long. C'est-à-dire, c'est trop long. Moi, ce que je voudrais juste dire, c'est qu'il faudrait qu'on prenne en charge les jeunes. Même, c'est-à-dire, jusqu'à créer même des lycées professionnels. On fait, Oui, vous voyez, on arrive en troisième, on n'est pas fait pour les études, on t'envoie faire un CAP. Voilà. C'est-à-dire, essayer de les garder un maximum déjà. Après le brevet, les orienter vers des lycées professionnels, qu'ils apprennent des métiers, si on veut reprendre la classe moyenne. Hein. Voilà. Et vous pensez que ça va, je veux dire, ça va mettre du temps parce que aujourd'hui c'est une urgence. Est-ce qu'on va pouvoir réaliser ça en un espace, en un temps record? Parce que je vous dis encore une fois, l'urgence est à nos portes. Bah, écoutez, c'est pas difficile. Oui. Vous avez un jeune qui arrive en troisième, qui n'a rien, qui n'est pas fait pour les études. Au Oui. lieu de le mettre à la porte, je le prends en charge. Oui, mais on a une toile de formation professionnelle, non? Elle n'est pas efficace. Elle n'est pas du tout efficace. Pourquoi? Mais pas du tout. Pas du tout. Alors On les pourquoi? voit, on les voit. On les voit, les jeunes. Est-ce aussi parce que on continue de travailler sur des schémas qui Quand sont je vous dis des lycées totalement. professionnels, attendez, que je m'explique, c'est qu'ils essaient quand même. Il y a des cours le matin.
et ils ont un atelier les après-midi. Vous comprenez ? Il ne faut pas les couper avec tout ce qui, avec les études, dans un sens. Hein. Oui. C'est-à-dire il y a des matières de... Il ne faut pas les couper avec tout ce qui, avec les études, dans un sens. Hein. Oui. C'est-à-dire il y a des matières de c'est-à-dire leur faire faire de l'arabe, bon, non, du français, de l'anglais. D'accord, juste une réponse en quelques mots. Je veux dire, donc vous pensez qu'aujourd'hui le système de formation professionnelle est obsolète, c'est-à-dire qu'elle ne répond ni au marché de l'emploi ni à la formation intrinsèque de l'individu. Ça se voit, on n'a qu'à voir le résultat, ça se voit. Mmh. Vous avez reçu un plombier chez vous dernièrement, un jeune plombier ou un jeune électricien? Non. 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 Vous avez emmené votre voiture chez un jeune mécanicien? Les voitures, vous savez, tout le monde s'invente le métier de mécanicien. C'est peut-être le mauvais exemple. Les résultats sont là. Ouais, voilà, mauvais exemple. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Mm-hmm. Ils parlent d'eux-mêmes. Il n'y a pas de spécialiste en la matière. Oui, mais vous pensez que la formation professionnelle va aider à la remise en place d'une Alors, pour vous, c'est quoi la classe moyenne, alors? La classe moyenne, pour moi, c'est une personne qui touche un peu plus du SMIC, c'est un ouvrier, c'est des gens qui font tourner, justement. Mmh. C'est le carburant d'une société. Mmh. Non, vous n'êtes pas d'accord? Enfin, oui, si vous faites l'approche par les salaires, on peut accepter un peu que l'on mette un peu... Qui n'ont pas fait d'études poussées, parce que ça ne sert à rien d'avoir des diplômés, ça ne sert à rien d'avoir des bacs plus faits. Mm-hmm. Pour ne plus... Tout est saturé, il n'y a plus de budget de toute façon. Mm-hmm. Il n'y a qu'à voir. D'accord. Sinon, on n'aurait pas mis la moyenne d'accès à l'école de médecine à 16 de moyenne. Ça c'est venu par ailleurs. Ça. Mm-hmm. Pharmacie et médecine, c'est saturé de toute façon. Je trouve que d'être voir avec bac plus 6, plus 7, ils sont au chômage. Oui. Oui. Mmh. Moi, j'ai remarqué ça parce que j'ai vu les sociétés de nettoyage. Oui. Donc, j'ai une amie qui a ouvert un spa et qui a une société de nettoyage chez elle. Donc, j'ai discuté avec les femmes de ménage, c'est-à-dire les femmes qui sont là pour le nettoyage. Elles sont toutes bachelières, pratiquement. Très bien. Elles ont toutes bac plus 4, plus 5. Oui. Mais elles ne trouvent pas de travail. Oui, ce n'est pas évident. Je veux dire, ce n'est pas par rapport au diplôme qu'automatiquement non, un travail. Je vous dis, déjà. Je veux dire, la question, c'est quand vous dites bac plus 4, plus 5, plus 3, plus 7, plus 10. Oui. C'est-à-dire que former, ce sont des universitaires déjà. Alors, la question est de savoir, est-ce que l'université garantit un poste de travail ou est-ce que l'université forme des cadres de demain en fonction de demandé par le marché de l'emploi? Justement, c'est pas en fonction du profil. Pardon? On forme. Oui. Et tout le monde est. On les forme. Et tout le monde est en méforme. Et voilà, exactement. Tout à fait, oui. Et on annonce des chiffres cette année, 70% de réussite au bac, 60%, c'est magnifique, en sachant que l'Algérie a été blâmée 3 ou 4 fois par l'UNESCO. Mm-hmm. Et nous, on nous annonce des chiffres, c'est oui. Bien, ça y est, ça a repris, c'est bon, tout le monde, on est tous intellectuels, on est tous... Oui. Peut-être qu'il faut arrêter de se mentir. Mm-hmm. L'école algérienne a fait faillite. Mm-hmm. C'est la faillite. Et quand l'école ne tourne pas, c'est pas possible. Mmh. Moi, j'ai été agressée il y a 20 jours. Il y a 20 jours de ça, j'ai été agressée. Mmh. Ah, c'est des chiens. Mmh. Mmh. Bon, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu de la chance. Il y a deux personnes qui ont intervenu alors que il paraîtrait, parce que moi, je suis pas tellement au courant, mais il paraît que les gens ne se mêlent plus maintenant dans la rue, hein. Ils voient la chose se passer et c'est l'individualisme, hein. C'est fini, ça. C'est justement cette dureté de la vie, c'est la mal-vie, c'est... ils s'en foutent, maintenant. Ils ont l'esprit occupé ailleurs, ça y est, pour eux, c'est... Ça devient tellement dur, en fait. Tellement dur. Que c'est fini. Qu'un pour soi et du pour tous, hein. Très bien. Là, on voit qu'il y a un malaise quand même qui est important. Et donc, ils ont intervenu. D'ailleurs, je les remercie, hein, s'ils sont à l'écoute. Mmh.
Mais j'ai pas, je suis même pas allé déposer plainte. D'accord. Je suis même pas allé déposer plainte. Parce qu'à la limite, je peux me mettre à la place de la personne. Attention. Tout à fait. Et on vous ouvre des boutiques, et on vous ouvre des franchises, et en avant, et les grandes marques, et machin, et les restos, et des... à des prix faramineux. On vous dit juste, alors on va conclure encore. Ouh là là, on va conclure. Anissa, encore une fois, c'est dommage. J'allais vous lire un peu l'intervention d'un internaute que je juge assez. L'école algérienne est un laboratoire où. Oui, pardon, vous disiez, parce que j'ai quelqu'un au bout du fil aussi. C'est qui? Bouzid, oui. Oui. Fouzi, oui, parce que j'ai pas oui. Une. Bon, on fait vite parce qu'il est minuit 36, alors on essaie d'éviter de passer de la musique pour avoir un maximum d'appels. Fouzi, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Minuit 36, alors on essaie d'éviter de passer de la musique pour avoir un maximum d'appels. Fouzi, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Bon, je vous appelle de Tlemcen. Ahlan, marhaba bi. Oui, la kelmak. Oui, Fouzi, on vous écoute, oui. Alors, en fait, je vais dire un petit commentaire rapidement. En fait, à propos de celui qui a parlé, en fait, qui travaille à l'ENTV, qui a dit, en fait, un peuple indiscipliné. Britain répondait... Non, il ne travaille pas... Non, non, attendez. Il ne travaille pas à l'ENTV. Non, il a dit qu'il était chercheur et dans l'application de son travail. Il avait peut-être croisé l'ENTV, mais il ne travaille pas à l'ENTV. Et je pense que, encore une fois, le principe de l'émission, ce n'est pas de revenir sur ce. Non, seulement comme. Non. Je m'en une question de communication, question de langage. Si par exemple un langage, si par exemple un peuple possède la langue pour communiquer avec l'autre, soi-disant, si par exemple l'Algérien a appris à parler la politique, soi-disant, avec son gouvernement, Balek Matouche Scandal, soi-disant. Seulement, par exemple, on va pas polémiquer. Je vous dis encore une fois, le principe oui. de cette émission est très clair. C'est pour éviter justement de rentrer dans la polémique, parce que ça ne restera que des avis personnels par rapport à un thème général. Ce qui oui. est important, c'est que lorsqu'on arrive sur antenne, qu'on ait un sujet à soi, qu'on le débatte, même si on ne va pas jusqu'au fond des choses, mais ça permet. Après, les Algériens, parce que je suis Algérien, les Oui, ça, je l'ai compris parce que je parlais, vous m'avez coupé, alors je le sais. Je vous dis encore une fois, le principe de l'émission, c'est de le rappeler que lorsqu'on propose un thème, on essaie d'aller jusqu'au bout du thème pour comprendre un certain nombre de choses. Maintenant, un appel qui est passé, on ne fait pas de commentaire. On garde pour soi ce commentaire et on est convaincu ou pas, voyez. Maintenant, j'aurais aimé qu'on aille directement à votre sujet, c'est ça qui est important. Bon, alors, est-ce que je suis en direct ou pas encore? Écoutez, vous êtes toujours en direct, hein? Parce que manche la radio. Bon, en fait, je suis étudiant, en fait, j'ai travaillé en parallèle. J'étais en classe des énergies renouvelables, j'ai travaillé dans la première industrie avec les panneaux solaires. En fait, d'après mon parcours universitaire et professionnel en parallèle, c'est une expérience kbira, en fait, pour comprendre d'autres choses. Avec un étudiant qui fait juste ses études, avec mes faits manches, je vais lui faire un message alors, en fait. Non, vous aviez déjà appelé une fois, si mes souvenirs sont bons. Oui. On a parlé de votre condition d'étude, justement. En fait. Non, vous aviez déjà appelé une fois, si mes souvenirs sont bons. Oui. On a parlé de votre condition d'étude, justement, qui. Oui. Vous étiez obligé d'aller travailler. Et, oui. Ah, okay, Karatam, déjà. Là, subhanallah. Allah, Iberkvik. Iberkvik, oui. Toi, d'art, c'est ça l'accompagnement, en fait, c'est ça l'accompagnement, c'est ça. C'est ça, en fait, on sent, en fait, qu'il y a un guide qui parle, qui nous écoute, en fait, ça, Hadali Khlina, en fait, nous sommes à la radio 103, vraiment, en fait. Allah ibarik, en fait, d'abord, au début, Mahli Moktala Beliblerni en direct, en fait, ma Afrique Fashion Hadali, tellement, à Drouk,
un petit message pour les étudiants, en fait, il faut participer, il faut, je sais pas, participer en tant que citoyen, en tant que travailleur, en tant que père de famille, il faut dire qu'est-ce qu'ils pensent, il faut réagir, faire des fondations, faire, je sais pas. L'étudiant actuellement il fait ses études après Ménikos et le PNA, mais il sait pas comment aborder soi-disant d'attiser cette demi-interne, je suis même pas été étudiant, mais juste, alors ben là qui a fait des problèmes. Mais c'est la communication qu'il faut pour d'accord, pour ça on l'a constaté, mais vous qui avez fait cette expérience justement de ce fossé qui sépare en fait l'université de ce que demande le secteur industriel, enfin le marché de l'emploi, il y a un déficit. Alors vous qui avez été étudiant aujourd'hui, vous êtes convaincu que l'université ne vous a pas formé du tout? En fait, hadi nhasbiha, franchement, en plus, en plus, c'est une bonne chose sur l'université, soi-disant étudiant qui travaille à peut-être une formation, soi-disant industrielle hors d'université, soi-disant, avec ses propres efforts, soi-disant, et ses propres moyens, qui touchent l'avenir, oui. يتقصف البول لازم ما يتكلش على الجامعة ما يتكلش على البارون ويروح يحفظ الدنيا يروح يحفظ في صناعة يجي با يعيش بها سو ديزون على بالك عطاني ربي سبحانه الحظ باش نتعلم هاد الانرجي سولير سو ديزون فابريكاسيون سيلول بانو انستالاسيون جي ابخي تو سا اور دونيفرسيتي سو ديزون عاونوني سو ديزون بالك ناس كاين حاجة بزاف حسيت بها سو ديزون ديغيغمون seulement donc mira عندي هاد un peu d'idées ماشي كلشي في الدومين هذا فوتوفولتايك انرجي رينوفلاب بيوماس اي سولير باسكو كي خدمنا درنا دي فورماسيون مع الايطاليا مع الاسبانيا سو ديزون عندنا دي زيدي alors qui nous trouve les idées تاعنا à l'université سو ديزون les profs ما يقبلوش par exemple un petit exemple derrière moi j'ai proposé un sujet d'un exposé d'un tel exposé. En fait, on fait le matériau, on fait l'industrie, hors de l'université. Qui nous brinde une idée, par exemple, soi-disant, on dit le cheikh a la possibilité de choisir un sujet. Alors, quelqu'un me partager avec les étudiants, à la classe, c'est des idées, mais andy. Eh ben, mais accepté. Je dis là, il faut faire ce sujet, il faut traiter ça. Ou avec les sujets, soi-disant, balak, chez les étudiants, rahdero manuscrit bibliothèque. احنا كي ديما لينوفاسيون سوا ديزون حاجه اللي يعني عايشها اليوم اكتيالمون يريفيزيها لاكاش جو سي با لاك هذا لابيل تاعي جو سي با بالك نعطيه لي زينسينيون يونيفرسيتير عطوا لي تيديون لا بوسيبيليتي دو شوازيغ دو بروندر ان سوجي دو فار اون فيت ديفلوبي سي بروبر ايدي سوا ديزون عاونوه بالك غيدوه. Oui, mais c'est ça de ce dont est malade l'université. C'est là justement où le bât blesse l'université. Il y a une absence totale d'initiative, de créativité. Il y a de recherche. On ne respecte pas la liberté de l'étudiant justement dans ces cas de figure. C'est carré. Ça fatigue moins. Des travaux ont été faits. On les a déjà corrigés. C'est plus facile de corriger les mêmes travaux et voilà, il y a cette absence de créativité, d'initiative au sein de l'université. Ce n'est pas un espace de recherche, de voilà. Il y a cette absence de créativité, d'initiative au sein de l'université. Ce n'est pas un espace de recherche, d'échange, de partage. C'est une usine de fabrication de chômeurs. Voilà, il ne faut pas avoir peur des mots, il faut le dire comme ça. Ce que vous posez comme problématique ce soir est effectivement une réalité, c'est le drame. Allô ? Oui. C'est le drame aujourd'hui. Si l'université n'est pas à la pointe de la recherche, si c'est pas l'université qui impose à la rue, si c'est pas l'université qui impose au secteur industriel, si c'est pas elle qui propose une émancipation de l'industrie algérienne, enfin du secteur économique algérien, eh bien on a raté tout ce comme nous sommes. Nous avons raté le coche. Parce que l'université n'est pas une petite usine où on fabrique uniquement des chômeurs et qu'on balance comme ça après un cursus de 3, 4, 5, 6, 7 ans. Et c'est ça où le bât s'empare.
on ne sent pas ce bouillonnement à l'intérieur de l'université. Les générations se suivent, les promotions se suivent et se ressemblent. Et il n'y a absolument aucun attrait, il n'y a absolument aucun changement. Et là, vous venez de mettre le doigt sur un engrenage qui a effectivement pénalisé l'université et avec tout le pays, je veux dire, dans sa matière grise, qui n'existe pratiquement plus. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, pour recruter un universitaire, il est pratiquement impossible, pour la simple et bonne raison, et vous avez la bonne réponse du gestionnaire, du chef d'entreprise, du directeur général d'une entreprise, c'est qu'il vous dit qu'ils n'ont pas de formation qui puisse donner un sens à son recrutement, et encore moins de sentir un apport quelconque de sa part. Et là, de ce côté-là, lorsqu'on planche sur la rentabilité, je trouve que c'est très honnête de répondre de cette façon. Il y a beaucoup de postes qui sont libres, qu'on peut pourvoir dans ce secteur. Il y a des secteurs qui sont demandeurs justement d'une élite, mais qui n'existent pas. Tellement, en fait, je sais pas, je crois balèque autre chose, par exemple l'auto-formation, la volonté. En fait, le fait de se donner à fond, le fait de, je ne sais pas, d'aller très loin, je ne sais pas, franchement, on sent que vous êtes quelque part frustré quand même, pas de la réussite, non, c'est pas la gloire, mais vous êtes frustré de la chose qui vous tient à cœur, c'est de réussir, c'est d'aller plus loin, c'est de promouvoir le secteur où vous travaillez, c'est d'apporter un plus, c'est de créer, d'innover. Et vous ne pouvez pas le faire parce qu'on ne vous laisse pas mettre vos idées sur la table. Ça, c'est le drame, je veux dire, prendre leur place. Est-ce qu'on ne veut pas du bien à ce pays? Voilà les questions qu'on se pose. Et bon, on a des réponses, on a les réponses. Mais des réponses sans agir, ce ne sont pas des réponses. Elles resteront toujours de l'oralité, je veux dire, des propos qui viennent gonfler un peu les discussions. Allô? Est parti? Pourquoi? C'est un avion? Ah bon. Nabil? Oui? Oui, bonsoir Nabil. Je vous écoute, bonsoir. C'est moi qui vous écoute. Très bien, merci. Aïwa. Alors voilà, donc écoutez, je ne sais pas si on est encore en ligne. C'est vous-même l'animateur? Oui, c'est moi l'animateur. Je suis ravi de vous avoir. Merci. Bah écoutez, bon, je vous appelle Laurent, je suis médecin. Alain. En fait, bon, apparemment les sujets. Je suis ravi de vous avoir. Merci. Bah écoutez, bon, je vous appelle Laurent, je suis médecin. Alain. En fait, bon, apparemment les sujets sont multiples ce soir, donc mais bon, je me suis axé un petit peu sur la classe moyenne, un petit peu sur le niveau d'instruction. Mais en fait, je voulais j'ai envie de crier haut et fort parce que il y a quelques années, mon père qui est encore jeune, qui a 62 ans, donc il est de 48, qui me disait dans les années 80, qui disait un terme, ce qu'on appelle l'analphabète trilingue. Je comprenais pas. J'ai que 42 ans. À l'époque, j'avais en 80, j'avais encore 10-12 ans. L'analphabète trilingue, pour moi, c'était quelque chose d'assez gros. Et là, maintenant, je suis en train de le dire. Je suis en train de le dire assez couramment. Je parle de l'analphabet parce que réellement c'est une entité qui existe et qui malheureusement a tendance à se propager. Est-ce qu'il vous arrive, je comprends pas, si vous lui parlez en arabe, l'arabe, pas l'arabe dialectal, l'arabe, notre arabe, il ne comprend pas. L'anglais c'est pire encore. Vous savez, moi je suis médecin, j'exerce dans une clinique privée, etc. Et parfois j'ai affaire à des recrutements de personnel. Dans le CV, ils mettent un bac plus 3, formation, bac plus 3, ou réceptionniste, ou infirmière, ou aide-soignant. Et là, vous les recevez dans votre bureau, et bon, vous voyez qu'elles vous mettent ou ils vous mettent dans le CV langue écrite français, écrit, parlé, anglais moyen, écrit, et arabe très bien. Et puis bon, vous les recevez pour un entretien d'une demi-heure, vous réalisez que finalement, ils ne comprennent que dalle. Vous m'entendez là? Oui, je vous suis. Voilà. Oui. Donc,
Et puis là, donc, l'analphabétisme existe actuellement et à grande échelle. Et donc, là, doit-on, qui doit-on incriminer ? Le niveau d'enseignement, l'université, qui ? Est-ce que c'est cette formation, enfin cette politique de formation qui est gérée depuis des années, est-ce qu'elle a engendré ça ? Est-ce que c'est à mon niveau, j'ai l'impression que c'est comme ça ? Est-ce que c'est général ? Est-ce que beaucoup de gens pensent comme moi ? J'aimerais le savoir, parce que parfois j'ai des frustrations. Vous savez, il y a des réflexions de personnes qui vous sortent des réflexions assez bizarres. On se dit, la dernière fois, j'ai ça sur le cœur, il m'arrive de discuter, par exemple, avec un couple dont la femme va se faire opérer. Et puis, voilà, on leur dit, voilà, écoutez, madame, on va vous opérer par le biais d'une célioscopie, par exemple. Vous savez quoi, la célioscopie ? Voilà, c'est une méthode pour vous opérer, hein, pas de cicatrice. Et madame, vous savez, vous pourriez même mettre un bikini et aller à la plage. Je faisais ça assez souvent jusqu'au jour où une fois je le dis, et là, donc, le mari, horrifié, se lève d'un bond. Il me dit, docteur, khassart ma'aya. Je dis, ah bon, qu'est-ce que je dis ? Où est-ce que je dis ? Qu'est-ce que j'ai dit à votre femme ? Je dis, oui, goûte la hâte, le bhat, le maillot. Non, vous savez, je l'ai dit, c'est juste pour citer un exemple, pour dire que c'est juste qu'une cicatrice qui n'apparaîtrait même pas au point où personne ne pourrait la voir. Ah non, goûte les hypes. Goûte les hypes. Et du coup, j'ai carrément d'ailleurs enlevé ça de mon dictionnaire. J'ai carrément enlevé, je ne dis plus ça aux patientes. Et après, je me suis senti vraiment diminué au point. J'ai dû me confondre en excuses. J'ai dit, mais est-ce que j'ai dit du mal ? Mais en fait, tout ça était une mauvaise compréhension. J'ai dû me confondre en excuses. J'ai dit, mais est-ce que j'ai dit du mal ? Mais en fait, tout ça était une mauvaise compréhension. Et c'est par le niveau. Je pense que c'est par le niveau. Souvent, j'ai dit ça à des patientes qui ont trouvé ça tout à fait logique et qui ont compris. Je parle bien sûr d'intellectuels, enseignantes, médecins, en présence du mari, bien sûr, parce que toujours quand on dit ces termes-là, c'est toujours en présence du mari, parce qu'on attend, c'est une société qui malheureusement a tendance un petit peu à prendre les choses ou à mal comprendre les choses. Et donc là, je me suis dit, waouh, je crois que vraiment, 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 le niveau a baissé. Et donc là, est-ce que selon vous, est-ce que c'est général ? Est-ce que vous avez ce sentiment-là ? Est-ce que je suis le seul peut-être à vivre dans une bulle, dans une sphère ? Dites-moi un peu, essayez de m'aiguiller, de m'aider. Oui. Allô ? Oui, j'essaie de réfléchir très vite et en silence, hein, parce que il m'arrive de réfléchir et je fais du bruit. Non, c'est pour détendre un peu. Non, vous n'êtes pas dans l'erreur, vous êtes simplement dans ce que vous croyez être juste, être de l'heure, être un conseil d'un médecin, rassurant, en utilisant probablement des métaphores pareilles pour rassurer le malade. C'est tout, vous n'avez pas d'autres objectifs à atteindre autre que celui de le rassurer. Bon, mais, voilà, donc vous avez fait votre travail. Maintenant, il se trouve qu'il arrive qu'on ne comprenne pas ou qu'on ne fonctionne pas sur le même registre. C'est pour ça qu'il faut être, je ne dis pas méfiant, mais il faut bien analyser la société dans laquelle on vit et essayer de se mettre au niveau de tout le monde, parce que vous avez la possibilité, la capacité de le faire. Vous avez compris comment ça fonctionne. Vous avez fait des sociétés dans lesquelles vous vivez. Alors, ce qui a fait notre malheur, peut-être, hein, c'est peut-être un mot très fort, c'est qu'on a cru aller très vite. Alors qu'en fait, les mentalités, c'est la vitesse de l'escargot. Nous n'avons absolument rien inventé qui viendrait accélérer justement l'émancipation des mentalités. Nous sommes uniquement des consommateurs. Alors, on donne cette impression que nous avons évolué, que nous avons émancipé, que nous avons fait la révolution de soi-même. Pourquoi ? Parce que on pratique sur cette matière grise cristallisée dans ce que nous utilisons, tel que l'Internet, tel que les portables, tel que les avions, les voitures et tout. Et on pense que nous sommes en phase avec toutes ces choses-là. Mais malheureusement, ces choses-là, en les posséder sans les avoir fabriquées soi-même, devient un danger réel. Aujourd'hui, les accidents de la route, personne jusqu'à aujourd'hui, je le dis, j'assume,
Personne n'a encore donné une explication rationnelle de la sécurité routière. Personne n'a encore donné une explication rationnelle de la sécurité routière au sens où on a expliqué pourquoi les accidents, on est parmi les premiers, le peloton, les trois ou quatre premiers, les accidents de la route au monde. Personne n'a pu l'expliquer parce qu'on n'a pas approché l'individu, l'Algérien, pour expliquer ce qu'il devient en étant sur le trottoir et en rentrant derrière son volant ou dans sa voiture. Qu'est-ce qu'il devient? Est-ce qu'il est fort pour dominer le véhicule? Est-ce qu'il a un socle identitaire? Est-ce qu'il a une culture? Est-ce qu'il a... Voilà, c'est ces choses-là qu'il faut expliquer en Algérie. Et nous avons des compétences pour le faire. Donc, vous n'avez pas... Vous vivez dans un pays où, effectivement... On a été trompé, malheureusement, parce que d'un côté, nous avons profité d'une situation géopolitique qui est extraordinaire. L'Algérie est le carrefour du monde, il ne faut pas le croire. Si vous pouvez savoir combien d'avions traversent le ciel algérien, vous direz que ce n'est pas possible. Ouais. Et pourquoi? Parce que c'est effectivement le centre du monde. Tout transite. L'échange entre continents se fait sur... ils ont commencé, ceux qui étaient les pionniers, avaient commencé par une roue carrée. Alors, quand ça roule, ça vous fait des zdug, zdug. Ouais. On s'est dit, bon, il y a les angles qu'il faut arrondir. Et le temps passe, on a arrondi les angles. Mais après, il y avait le problème d'usure. On a pu renforcer ses roues. Ensuite, on en a mis deux devant et deux derrière. Ensuite, celles de devant gênaient lorsqu'il fallait virer. Donc, on a mis une petite cheville qui permettait aux roues avant de tourner. Ensuite, ouais. On a dit, mais écoutez, pourquoi être tiré par les chevaux? D'ailleurs, c'est de là que sont venues les puissances des moteurs, de la motorisation. C'est par chevaux-vapeur. Et on a dit, pourquoi ne pas mettre un moteur? Et là, on a inventé le moteur à explosion. C'était les fameuses tractions avant, et tout est venu après. Mais ces créateurs de ces choses dans ces pays-là ont vécu toutes ces phases. Ils ont évolué, la société a évolué en même temps. Aujourd'hui, vous allez dans ces pays-là, en Europe par exemple, le véhicule n'est plus un luxe, ces choses dans ces pays-là. Ont vécu toutes ces phases. Ils ont évolué, la société a évolué en même temps. Aujourd'hui, vous allez dans ces pays-là, en Europe par exemple, le véhicule n'est plus un luxe, c'est un moyen qui est utilisé de manière rationnelle. Oui. Vous voyez ? Non. Et aujourd'hui, chez nous, on a marché combien d'années à pied, puis du jour au lendemain, on est dans une 505 turbo diesel, mais c'est vrai, ouais, que dans la tête, ça doit bouger un peu. Nous avons grillé les étapes. Absolument, mais voilà. Alors, il est demandé, donc il ne faut pas vous culpabiliser, parce qu'il vous est demandé à vous, et vous avez la possibilité de le faire, de comprendre l'autre. Sa réaction est légitime. Sa réaction est légitime. Si vous arrivez un jour de prendre le café avec lui, ce que je souhaite, vous allez voir qu'il est prêt, qu'il est disponible à changer les choses, mais c'est l'enfer, c'est les autres. Voyez ? Et on a cette réaction. Alors aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, nous, c'est de participer. Que lorsqu'il y a des réactions aussi violentes les unes que les autres, c'est parce qu'on ne vous aime pas ou parce qu'on ne vous veut pas, mais c'est parce qu'on ne vous a pas compris. Voilà. Oui, mais écoutez, est-ce que parfois, d'ailleurs, la plupart du temps, les gens me le disent, c'est comme ce roi qui gouvernait, qui est dans un royaume de fous, il était le seul qui n'était pas fou. Et donc, il n'était pas aimé du tout. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait semblant d'être fou, et c'est à partir de ce moment-là que son peuple a commencé à l'aimer. Et voilà. Pour dire qu'il y a des rois intelligents. Oui, mais bon... Est-ce qu'on va aller vers cela? Je veux dire que cette petite masse, peut-être parce qu'elle devient très petite, de gens qui peut-être, je dirais évoluer, je ne sais pas, je me considère peut-être évolué, est-ce que, un temps soit peu minoritaire, est-ce qu'elle vite va se confondre dans l'autre masse? Vite, voyez, je vous dis encore une fois, tout cela dépend de ce que nous voulons faire de ce pays. Et on parlait tout à l'heure de classe moyenne, on va remonter un peu. C'est une absence de l'élite. Si l'élite reprend sa place, si tout le monde se bat pour imposer ses idées qui ont fait le bonheur de certains pays, ou de tous les pays que nous connaissons et que nous qui nous attirent, c'est justement de participer à ce que cette société puisse avancer, parce que il est de notre devoir à chacun d'entre nous, sans être prétentieux, d'apporter un plus et de faire avancer les idées. C'est très lent, mais il faut un début à tout. Voilà. J'espère. Merci beaucoup. Je le souhaite. Merci, c'est moi. Bonne soirée, au revoir. Merci à vous aussi. Mounir, je vous prends encore quelques secondes. Hein. Je me suis oublié, je pensais à ce pays qu'il faut aider à accélérer quand même.
Quelques secondes pour vous dire bonne fin de nuit, bonne fin de soirée et une excellente semaine. Et on se retrouve vendredi prochain 23h pour une nouvelle édition de Franchise de Nuit. Merci, bonsoir.